Bien, bonsoir à tous. Alors, nous sommes en petit comité ici, mais on va essayer d'être quand même assez vivant et de donner un petit peu de perspective aussi à l'IA qui a été présentée aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup d'inquiétudes exprimées à plusieurs égards concernant l'utilisation de l'IA. Donc, je vais essayer ce soir de vous convaincre qu'on a quand même quelques solutions en Europe. Et en tout cas, on y travaille. Ça, je pense que c'est à peu près évident. Donc, je me présente, je m'appelle Arnaud Gottlieb, je travaille pour Simula Research Laboratory, qui est un laboratoire de recherche en informatique, technologie de l'informatique et de la communication en Norvège. C'est un petit peu l'INRIA de la Norvège, toute proportion gardée. Et je vais donc vous parler du projet AI for EU, qui est un. Ça fonctionne? Non? Qui est donc un projet H2020, qui est un projet collaboratif H2020, qui a démarré au 1er janvier 2019, pour une durée de 3 ans, et qui vise tout simplement à mobiliser la communauté IA, à la fois recherche et industrielle, à la fédérer autour d'une plateforme collaborative, une plateforme technique. C'est un projet qui est ambitieux, qui réunit 81 partenaires, dont 60 instituts de recherche parmi les plus prestigieux en Europe. Donc il y a INRIA, il y a le CNRS, il y a DFKI, il y a les Fraunhofer, il y a bien sûr des instituts en Italie, en Espagne, dans les pays nordiques, etc. C'est un projet qui a un budget de 20 millions d'euros, donc c'est à la fois beaucoup et à la fois très peu, hein, pour construire une plateforme qui se veut être une plateforme qui va fédérer toute la communauté en IA en Europe. Donc c'est juste un point de départ et il y a bien sûr des investissements relativement importants de la communauté européenne qui vont suivre cet investissement initial. Parmi ce budget de 20 millions d'euros, il y a 3 millions d'euros qui visent à être redistribués auprès de l'ensemble des citoyens européens de manière assez particulière, sous forme de ce qu'on appelle le cascade funding. J'aurai l'occasion d'y revenir dans ma présentation. Le lien avec l'open source, et pourquoi je suis ici, c'est parce que la plateforme s'appuie sur une stack de logiciels open source. Il y en a quelques-uns qui sont mentionnés ici, donc, alors, avec à la fois des acteurs et à la fois aussi des outils. Donc, Smile est un acteur principal du design de la plateforme, qui s'appuie donc sur des outils comme Drupal, comme Acumos AI, qui est une plateforme d'entraînement de modèles, donc pour faire du machine learning essentiellement, autour donc, enfin, qui est soutenu par la Linux Foundation. Mais aussi Quant, Elasticsearch, etc., etc. Il y a toute une stack d'outils open source que nous utilisons dans la plateforme, pour le design de la plateforme, qui, à mon avis, sont de nature à donner aussi une visibilité assez importante à l'open source en Europe. Bon, donc la plateforme AI for EU, c'est une plateforme qui a une ambition européenne, hein, de rétablir la souveraineté européenne, hein, sur l'IA, en tout cas d'y contribuer. Voilà, autour d'une plateforme technique. Il s'agit de ramener les parties prenantes, hein, de l'IA autour de la table et de les faire s'intéresser, en tout cas converger vers la réalisation d'une plateforme technique. Il s'agit de positionner l'Europe, hein, comme un leader sur l'IA. Alors c'est très très ambitieux, hein, par rapport aux acteurs à la fois américains, chinois. Il y a également donc une partie qui vise à dynamiser la recherche en intelligence artificielle. Je vous ai indiqué que des grands partenaires de recherche européens sont associés au design de la plateforme. Il y a besoin de combler des vides, hein, et je vais également avoir l'occasion de vous présenter ça brièvement. Et puis, il y a également une finalité de guider, d'indiquer, de guider au plan technique la Commission européenne en fournissant des éléments pour ce qu'on appelle le Strategic Research and Innovation Agenda pour l'Europe, et donc donner des éléments contributifs pour piloter comment dire, les montants d'investissement et les programmes d'investissement en Europe autour de l'IA. Donc c'est une plateforme technique qui s'intéresse, donc qui vise plusieurs utilisateurs, hein, donc à la fois des industries et des grandes compagnies.
des start-up, les initiatives de partenariat public-privé, les chercheurs, les développeurs, les étudiants, plus généralement les citoyens européens, avec un certain nombre de services qui sont offerts sur cette plateforme, qui seront offerts sur cette plateforme. D'abord, la disponibilité de composants IA, de datasets, la disponibilité aussi d'applications et de services, la connaissance, l'accès à la connaissance au travers un réseau d'acteurs et de partenaires assez important. Aussi de l'aide à l'investissement, en tout cas de la mise en relation avec des investisseurs, des aides en ce qui concerne la gestion donc de la propriété intellectuelle, également donc des ressources d'éducation et aussi de training pour les professionnels, etc. Donc cette plateforme, c'est un point de départ, mais qui va au fur et à mesure des années constituer un véritable point d'entrée pour l'IA en Europe, avec une sorte de garantie de la souveraineté européenne sur l'accès aux services qui seront fournis par cette plateforme. Alors, je vous ai mis ici le timeline du projet, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que vous pouvez voir de manière très centrale, c'est la partie la plus importante, c'est le design de la plateforme. C'est vraiment là où on définit l'architecture de la plateforme avec les différents outils. Vous pouvez voir également que dans cette partie très centrale, il y a quatre versions de la plateforme qui sont indiquées. Et donc la version V0, elle est déjà en ligne, elle est déjà accessible. Et je vais vous en montrer quelques éléments. C'est une plateforme, c'est une version bien sûr qui est initiale, hein, qui contient pas encore évidemment toutes les capacités opérationnelles, hein, de la plateforme. Et donc c'est la version V1 qui va sortir au mois de janvier, qui contiendra les différentes parties opérationnelles et qui permettra déjà d'accéder à des ressources IA, mais également de pouvoir expérimenter avec la plateforme l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors je veux juste préciser également que quand on parle d'intelligence artificielle, en tout cas dans le cadre de H2020, dans le cadre de l'Europe, on parle pas seulement de machine learning, on parle aussi d'autres technologies, d'autres techniques qui viennent du monde de l'intelligence artificielle, la planification, le scheduling, la représentation des connaissances, la vision, etc. etc., etc. On n'est pas bien sûr que restreint sur l'aspect apprentissage automatique. Voilà, donc une version V1 qui va sortir au mois de janvier, qui sera une première version opérationnelle, et puis des versions successives qui sortiront dans les années à venir et qui contiendront bien sûr de plus en plus de services et de plus en plus d'éléments constitutifs de cette plateforme. Vous avez autour, juste au-dessus de cette partie architecture de la plateforme, un work package dont je suis responsable, qui vise à faire donc des expériences pilotes, avec donc la réalisation de sous-projets ambitieux qui vont permettre de bootstrapper l'utilisation de la plateforme sur des applications réalistes dans 8 domaines particuliers, 8 domaines d'application. Je vais également vous présenter ça rapidement. On a en dessous donc, de cette partie centrale le Work Package 7, dans lequel c'est les aspects recherche qui se concentrent. Nous avons dans le Work Package 8, tout en haut, la partie redistribution sous forme d'appel à défis et d'appel à solutions. Et puis, sur la partie Work Package 9, nous avons cette définition du Strategic Research and Innovation Agenda de l'Europe, en tout cas la contribution à la définition de cet agenda dans cette partie-là du projet. La plateforme est disponible, hein, vous pouvez d'ores et déjà y accéder, vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous enregistrer sur la plateforme, vous mettre en relation avec d'autres chercheurs, d'autres partenaires industriels. Vous avez ici par exemple la partie collaborative de la plateforme dans laquelle on peut lancer des discussions, on peut lancer des groupes de discussion privés ou publics, on peut interagir. Vous avez également des webcafés dans lesquels sont présentés un certain nombre d'éléments de réflexion sur l'IA en Europe à ce stade. Et bien sûr, petit à petit, ces webcafés vont avoir des connotations plus techniques d'adoption de la plateforme. Il y a également tout un aspect news et en particulier transmission, vecteur de transmission de l'information de l'Europe vers les citoyens européens. Ce qui est actuellement en, en, en,
en design et qui va donc sortir dans la version V1, c'est le repository d'Asset AI. C'est-à-dire que ça sera un catalogue qui mettra à disposition des outils développés dans le monde de la recherche en IA, des outils, des composants, des datasets, des Jupyter Notebook, que sais-je, des Docker containers, etc., un certain nombre d'éléments qui seront mis à disposition de la communauté pour faire un certain nombre d'expériences. Donc ce catalogue sera disponible et à partir de ce catalogue, il sera possible d'aller constituer, de composer donc des modèles, de faire une véritable chaîne de traitement des données et de composition de modèles pour pouvoir développer des applications réelles. Ce catalogue donc, permettra à la fois de récupérer des éléments d'IA, mais également de contribuer. Ça sera véritablement un endroit, un repository dans lequel en particulier toute la communauté open source pourra, si elle le souhaite, mettre à disposition de l'Europe, et en tout cas des citoyens européens, des composants d'IA. Il y aura un système de rating qui sera proposé pour évaluer le dépôt de ces éléments. Et bien évidemment, il y aura une garantie, une volonté en tout cas de respect des règles, en particulier de la RGPD, la régulation européenne, en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Je voulais vous dire un mot donc, de la partie qui est un petit peu plus chère à mon cœur, puisque donc, moi je suis en charge des pilotes industriels de la plateforme, et donc on travaille avec 8 grands partenaires industriels et publics, chacun d'entre eux dans un domaine d'application particulier, pour réaliser un pilote ambitieux en utilisant donc, les composants de la plateforme en elle-même. Donc nous avons un pilote qui concerne donc, la citoyenneté européenne, hein, qui est piloté par SAP, et qui vise à définir un assistant personnel pour l'éducation supérieure. On a un pilote robotique qui est piloté par ABB Robotics en Norvège, qui vise en fait à faire de la maintenance prédictive pour la robotique industrielle. Un pilote Industrie 4.0 piloté par Siemens, qui vise à faire un compagnon digital pour l'entreprise du futur. Un pilote Healthcare qui est dirigé par NEHS, qui est une grande compagnie d'assurance du monde médical. Et donc dans ce contexte-là, le pilote que l'on réalise ici, c'est une aide à l'analyse des rapports de radiologie en utilisant à la fois de la vision artificielle, mais aussi du traitement de langage naturel. Donc l'idée, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité des rapports de radiologie qui sont fournis. Un pilote média qui est dirigé par Technicolor, donc qui est devenu interdigital, enfin en tout cas la partie avec laquelle on travaille est devenue interdigital. Et là, on va faire de l'animation de vidéo, on fait de l'animation de vidéo avec la reconstruction de visages et de mouvements de lèvres à partir donc de langues différentes. Un pilote agriculture dans lequel on fait de l'évaluation de la qualité des cultures, en particulier pour la vigne, avec de la vision artificielle par drone, couplée avec les données satellitaires, satellites d'observation de la Terre et les données donc Copernicus, et également avec de la vision qui proviendra des robots terrestres. Un pilote pour l'IoT, qui est piloté par Telenor. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour l'agriculture, c'est Atos et Smart Rural. Pour l'IoT, c'est Telenor, qui est une grande compagnie norvégienne de télécom. Et donc là, on fera du monitoring de la qualité de l'air, de la pollution de l'air dans une ville de Norvège, qui est Trondheim. Donc en utilisant des senseurs qui sont disposés sur les véhicules et qui permettront donc de ramener des mesures de pollution qui seront comparées à des mesures de pollution prises par d'autres formes de captage. Et puis finalement un pilote sécurité, on a entendu parler de cybersécurité juste avant, donc un pilote cybersécurité dirigé par Thales, dans lequel on propose d'utiliser donc de l'IA pour faire de l'apprentissage d'attaques dans un domaine particulier qui est le domaine ferroviaire. Donc ça, c'est pour les pilotes. Ces pilotes, ils sont à mapper avec les grandes priorités de recherche. Et donc, ces grandes priorités de recherche du projet, elles s'appuient en fait sur la stratégie de la Commission européenne autour de l'IA, qui porte un nom, qui est donc Human-Centered AI.
Et donc, ces cinq grandes directions de recherche qui sont étudiées dans le projet sont d'abord le explainable AI, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire une IA qui est explicable et qui est plus transparente. C'est verifiable AI, comment on fait une IA qui est plus sûre, qui offre plus de garanties en termes de sûreté et de sécurité. Collaborative AI, c'est tout ce qui concerne l'interaction homme-machine et comment est-ce qu'on fait une IA qui est capable d'interagir avec les humains d'une manière plus appropriée, plus éthique, plus homogène. Intégrative AI, c'est comment est-ce qu'on fait une IA qui est capable d'interagir avec d'autres systèmes dans un environnement complexe. Par exemple, on parle de système de système. Comment est-ce qu'on va demain déployer une IA dans un système de système? Et puis, physical AI, c'est comment l'intelligence artificielle va s'intégrer dans un monde physique avec des capteurs, des senseurs, et donc toutes les problématiques d'interaction logicielle matérielle qui en découlent. Ces horizontaux de recherche sont à mapper avec les verticaux, les domaines d'application que je vous ai mentionnés. Et donc, pour chacune d'entre elles, pour chacun de ces verticaux, nous avons des techniques particulières. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, pour Explainable AI, on a du traitement de la langue naturelle, on a évidemment des techniques explicatives, d'apprentissage automatique, etc., etc., etc. Je voudrais vous dire un mot donc, de cette partie cascade funding, parce que c'est quelque chose qui peut véritablement intéresser la communauté open source, de mon point de vue. Donc il y a une branche redistribution dans le projet, et donc 3 millions d'euros vont être redistribués sous forme d'appels à défis et d'appels à solutions. Donc les appels à défis est un appel en fait qui va viser typiquement les PME, les grandes compagnies, les projets européens, les organisations, les associations, les organisations sans profit, les partenaires évidemment du projet. Et donc l'idée ici, c'est de proposer un challenge qui visera donc à appeler des solutions. L'idée derrière ce challenge, c'est aussi de proposer des datasets et donc de demander la résolution de ces défis en utilisant donc les datasets qui seront proposés. Alors ça ne sera pas obligatoire, mais par contre ça sera fortement encouragé pour qu'on puisse obtenir des solutions qui soient intéressantes pour la plateforme et aussi pour bootstrapper l'utilisation de la plateforme. Donc c'est un appel qui va être ouvert probablement donc Q1 2020. Et puis donc suite à cet appel à défi, on aura un appel à solution qui se décomposera en deux périodes, deux temps. Tout d'abord, un appel à solution individuelle, où c'est en fait des groupes de deux individus qui seront amenés à répondre à ces appels, à ces appels particuliers, où donc une solution sera proposée, en tout cas dans le texte, et donc une somme qui pourra aller jusqu'à 20 000 euros sera distribuée à ce binôme pour développer sa solution durant 3 à 6 mois. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de financer jusqu'à 50 binômes bénéficiaires. Donc ces binômes, ça peut être des individus, des chercheurs, des ingénieurs, des étudiants, etc., etc. Et donc là aussi, l'appel à solution sera out lors du premier quart-temps 2020. Pardon. Trimestre. Et puis donc une deuxième partie, un deuxième volet de cet appel à solution, qui est donc un volet d'accélération, où l'idée sera donc d'offrir une somme beaucoup plus conséquente, donc 180 000 euros, jusqu'à 180 000 euros, avec un support de 9 mois pour accélérer l'adoption de la technologie développée, et en particulier l'adoption de la plateforme dans ce contexte assez particulier. Et donc là, on imagine jusqu'à 20 bénéficiaires pour cet appel. Donc cette redistribution, elle s'adresse aux gens intéressés de la communauté qui ont envie de se frotter à des défis réels qui viendront donc des citoyens européens. Et donc je vous encourage bien sûr à aller regarder donc la plateforme, à vous inscrire sur la plateforme et à être averti de ces appels parce que on espère que ça sera un moment assez intéressant et assez vivant pour favoriser l'adoption de la plateforme.
J'ai pas encore parlé d'un élément important du projet, qui est la constitution d'un observatoire éthique. Donc, on a parlé d'éthique tout à l'heure. L'idée, c'est de s'intéresser donc aux cinq grands piliers, hein, ce qu'on appelle le ELSEC, hein, donc éthique, légale, socio-économique et culturelle. Donc, les défis liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport à ces éléments. Et donc l'idée ici, c'est véritablement de stimuler la réflexion, de stimuler les discussions, d'observer ce qui se passe, les pratiques, et aussi de faire des recommandations, d'éduquer également donc le public européen ou les citoyens européens autour de ces questions, de faire un inventaire des aspects légaux autour de l'utilisation de l'IA et du déploiement de l'IA. Et également d'étudier l'acceptation sociale de l'IA en Europe. Bon, on a parlé de ces aspects-là aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais donc l'idée est véritablement d'observer les pratiques de l'utilisation de l'IA en Europe et de travailler pour produire des recommandations et des recommandations pour la Commission européenne pour attaquer ces différents aspects. Une chose également que je voudrais mentionner avant de conclure, c'est l'interconnexion de cette plateforme AI for EU avec d'autres plateformes existantes. Et donc, il est prévu, dès la construction de la plateforme, d'interagir avec le Human Brain Project, qui est donc un projet flagship de H2020, avec d'autres plateformes qui sont plus spécialisées en matière d'apprentissage automatique, en particulier d'apprentissage profond, comme Bonsize, comme Bit, comme Fiona. D'interagir également avec des plateformes qui sont plus, je dirais, orientées domaine d'application. J'ai mentionné Copernicus, qui est donc une plateforme d'images satellitaires européenne, et puis également avec d'autres plateformes. L'idée est véritablement de constituer cette plateforme AI for EU comme un point d'entrée de ressources en intelligence artificielle qui permettent aussi d'accéder à d'autres plateformes plus spécialisées, plus technologiques. Je voudrais mentionner quelque chose qui peut aussi potentiellement intéresser la communauté open source, qui est donc un appel à venir. Donc, c'est un appel ICT 49 du programme H2020 qui vise à étendre l'utilisation de la plateforme AI for EU en Europe. Et donc, c'est un appel à Innovation Actions avec un budget de 20 millions d'euros qui correspondront à peu près à 4 voire 5 projets financés. Et donc, avec un deadline fin avril 2020. Et donc là, l'idée, c'est véritablement de renforcer la compétitivité industrielle de l'Europe au travers de l'utilisation de la plateforme, et donc d'adresser des défis sociétaux, en particulier sur la vieillesse, sur le transport, l'égalité de genre, etc. Et donc le sujet, c'est véritablement de bâtir sur la plateforme AI on Demand de l'Europe, sur AI for EU, c'est véritablement de bâtir des pilotes industriels ou des pilotes d'utilisation sociétale de la plateforme, et donc d'obtenir donc des financements conséquents pour bootstrapper l'utilisation de la plateforme en Europe. C'est un des défis qui est mentionné dans le programme H2020, qui se termine maintenant. Mais c'est un des défis, mais il y en a d'autres qui visent explicitement à bootstrapper l'utilisation de la plateforme. Je voudrais également mentionner qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle l'AI Alliance, qui est un regroupement de 3 000 chercheurs, étudiants, partenaires industriels, personnes du domaine public, qui visent à fédérer une large communauté de gens intéressés par les défis sociétaux de l'intelligence artificielle. Et donc, la plateforme visera à s'interconnecter avec cette AI Alliance et être le support, le socle technique de cette AI Alliance. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai voulu terminer donc sur une note plutôt positive. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous bénéficiera à tous, hein, à partir du moment où on l'adopte de manière éthique et responsable, et puis surtout qu'on l'utilise dans un cadre peut-être européen, un cadre de souveraineté européenne. Donc, c'est une plateforme pour vous, hein, c'est une plateforme pour le citoyen européen. C'est une plateforme qui vise à fédérer une large communauté de citoyens européens autour de cette idée de l'utilisation de l'IA de manière responsable et sûre. Voilà.
Donc rejoignez-nous, venez et contribuez à cette plateforme. Je pense que c'est un défi, mais à la fois aussi une opportunité extraordinaire pour toute notre société européenne. Voilà, je vous remercie.